idée, c'est d'utiliser le suivi digital connecté pour générer une alerte qui va rapprocher un rendez-vous de consultation, permettre peut-être de dépister plus tôt cette récidive. Et on sait que si on dépiste la récidive plus tôt, on va probablement avoir une action bénéfique en termes de mortalité pour le patient. Prise en charge d'un patient sur une maladie chronique au long cours, c'est une vraie aide d'avoir ce point de repère qui est une solution parfois connectée et de temps en temps un vrai suivi où le patient va se déplacer physiquement. Et puis pour nos patients qui sont parfois fatigués et qui pourraient de temps en temps annuler des consultations, notamment dans des prises en charge oncologiques parfois lourdes, le fait de savoir qu'il y a cette possibilité de connexion, je pense que ça va être un vrai plus pour maintenir ce suivi. Donc c'est très bien décrit pour l'application MoveCare dans les stades métastatiques. Et nous, on est très volontaires pour le mettre en place dans les cancers bronchico-opérables, parce qu'on voudrait vraiment offrir à ces patients-là une prise en charge très précoce de leur récidive.